Donc avec nous Frédéric Carizet, donc le coach de cette équipe de Lourdes-Villers. Alors quel est votre bilan sur ce challenge? Le bilan, on est venu avec une équipe pas au complète. On était 7 pendant 2 jours, donc on a un résultat quand même positif en faisant un match nul contre les équipes du tournoi Grey. Sinon on a pris 3 défaites, bon, maximum 5 buts, c'est pas trop mal, surtout que j'ai pas une équipe de défense. On a pu travailler des choses et puis voilà, on va s'appuyer là-dessus pour continuer à réussir pour le restant de la saison. Justement, on est en pleine préparation, alors quels sont vos objectifs pour la saison à venir avec assurer le maintien le plus tôt possible, l'année passée, et puis on verra au fil du temps, quoi, hein, parce qu'il y a des nouvelles recrues, il faut intégrer tout le monde et que la moyenne est spéciale. Il y a une phase d'adaptation qui sera importante à préparer dès maintenant. Oui, bien sûr, ça a commencé depuis un mois, donc, on verra sur le premier match de Coupe de France, on est vraiment prêts. Merci Frédéric et bonne saison. Merci à vous. Donc avec nous Thierry Chapuis, donc un joueur du Val de Grey. Alors quel est ton bilan sur ce tournoi? Le tournoi s'est bien déroulé, même s'il y a eu le désistement à la dernière minute de Dijon qui a fait qu'on a dû faire deux équipes pour compenser. On est bien fatigué maintenant. Ça s'est bien déroulé. À la fin, on arrive à gagner sur un match nul, donc c'est cool, mais c'était pas le plus important. Toutes les équipes sont bien entendues, il y a une bonne ambiance. C'est le principal. Vous avez gagné aussi, c'est plus important, c'est un objectif de gagner quand même ce tournoi. Ouais, bah oui, parce que c'est chez nous, il y avait du public, donc forcément ça fait plaisir de gagner et pas de perdre de 10 buts devant le public. Okay. Ça amorce bien la saison. Ok, merci Thierry. Merci. Donc avec nous Jérôme Garny, donc le nouvel entraîneur de Val de Grey. Alors une réaction après cette victoire chez vous, c'est quand même important de gagner ce tournoi, même si c'est un challenge amical. Voilà, c'était important de finir sur une bonne note. On a fait une bonne semaine de prépa. C'est dur aujourd'hui avec le désistement de Dijon, on a dû faire deux équipes, donc beaucoup de joueurs ont joué. Donc c'était intéressant hier, aujourd'hui c'était plus pour travailler sur la résistance, sur le physique. Donc voilà, ils ont fait une bonne journée dans la salle, pour rendre hommage aux dirigeants du club et voilà, les automatismes commencent à arriver. Donc, ça a de bonne augure pour la suite. On verra ça maintenant mercredi contre Longwy. Voilà. Merci Jérôme, bonne saison. Merci. Donc avec nous, Douta Sec, donc, le coach de cette équipe de Vesoul. Alors un petit mot sur ce tournoi, le bilan de Vesoul. Bilan positif parce qu'on a fait un bon tournoi, on fait 2 victoires, 3 nuls et puis une défaite contre Rennes, l'équipe qui est championne, qui est première devant nous. Donc un bon tournoi, en plus on avait quelques joueurs absents. Donc je pense que je suis très très content de la réaction des joueurs, le comportement, c'était plus samedi mais qu'on est là. Alors, un petit objectif pour la saison à venir? L'objectif c'est clair, on n'a pas recruté de joueurs pour travailler dans la continuité et puis intégrer les jeunes du club aussi. C'est de maintenir en National 2, ça ne va pas être facile, mais je pense qu'on va se battre pour défendre notre chance. Vous êtes promu et on vous souhaite bonne chance. Merci à vous. Donc avec nous Jean-Paul Pulus, donc le président de Val de Grey. Alors un petit mot après ce challenge, l'hommage de M. Comte. M. Comte, c'est un homme à qui on peut faire des hommages à n'en plus finir, parce que c'est un bénévole hors pair, quelqu'un qui, par sa bonne humeur, sa disponibilité, était quelqu'un, pas indispensable, parce qu'il n'y a pas d'indispensable, mais qui était incontournable au niveau du club et de l'organisation de notre tournoi du Val-de-Saône. Donc, on a perdu vraiment un personnage. Voilà. Donc, en sa mémoire, on avait le tournoi du Val-de-Saône son challenge sur le tournoi du Val-de-Saône. Donc, on l'a reporté sur ce tournoi-là pour ne pas perdre l'identité. Quoi. Voilà. Donc, ça me convient bien. Et puis, en fait, le tournoi ressemble au personnage parce qu'il s'est bien déroulé. Fair play, les gens... pas tous au complet, les équipes pas tout au complet, mais enfin, on a eu de la qualité d'arbitrage, donc pour nous c'est très bien. Et une victoire de Val de Grey, donc... Ça nous conforte un petit peu. C'est anecdotique. C'est un peu anecdotique, mais ça nous conforte un petit peu dans le travail qui est mis en place en ce moment par le nouvel entraîneur. Donc il y a beaucoup de travail, il faut qu'il arrive à trouver la cohésion avec les nouveaux joueurs, les faire tourner ensemble. Bon, ça commence à monter, la mayonnaise prend, donc c'est bien. Ok, c'est bon augure en tout cas pour la saison à venir, une nouvelle saison à N2, on vous souhaite... de réussir le maintien en premier objectif encore cette année. On va essayer de jouer la première moitié de tableau, monter non parce que à mon avis ce sera très difficile parce qu'il y a des grosses cylindrées qui ont recruté fort et puis bon on n'a pas les moyens financiers pour rivaliser avec eux quoi. Mais bon,
dans le cœur, on est assez bon. Et puis bon, les partenaires vont continuer de nous suivre. Donc j'espère que ça va fonctionner. Ok, merci beaucoup Jean et bonne continuation, bonne saison et à bientôt. Merci aux infos du sport d'être venus.